Zolog, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Mix Gaming One. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Le meilleur texture pack de Minecraft. Et je pèse mes mots, vraiment. Parce que là, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Voilà, comme vous pouvez le voir, on vous tease avec la neige qui est là. Voilà, c'est sublime. Il y a le soleil qui bouge et tout ça. C'est juste Un truc de splendide. dingue. Ouais, c'est clairement un Un truc de truc dingue. de dingue. C'est un truc de gueudin, frère. Et du coup, ouais, on est là pour vous le montrer aujourd'hui, donc en compagnie de Mix, voilà. J'espère que ça vous plaira. Du coup, écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Et on commence donc par exemple par le command block, voilà. Vous pouvez le voir vraiment, c'est un bloc magnifique, parce que genre, t'as déjà vu ça sur Minecraft, s'il te plaît? C'est du 512x512, c'est une texture de gros malade, c'est des textures en 3D, il y a la réflexion du soleil là. C'est magnifique, c'est juste ultra beau, il y a pas de Il y a un vraiment cooler de... master. Merci pour ton intervention. Ce n'est pas un placement de Alors là, il y a produit. une GTX 1080 Ti, hein, on peut la voir, voilà, Ah avec elle ouais, est vous là. l'avez vu, voilà. Donc du coup, on enchaîne. Ici, nous avons un petit bloc de bois plutôt sympathique. Là, tu te dis, ouais, c'est un petit bloc de bois tranquille, toi, il est beau, ok. Mais Mais là, quand tu regarde, zoomes. quand tu zoomes, tu vois la 3D. Tu vois, ok, c'est pas ouf, mais quand même. Là, sur le bloc de bois, c'est vrai, c'est pas ouf, mais quand même. Bah, je veux dire, pour du Minecraft, de toute manière, les textures même. Ouais, voilà, c'est un truc de dingue. Regardez ça, on dirait c'est vachement réaliste. C'est magnifique. On va regarder aussi du dessus. Allez, on peut regarder aussi du dessus. On voit les fissures là. On voit carrément les Ah ouais, là fissures. on C'est voit un bien truc la de fou. 3D sur le haut. On voit les fissures. C'est magnifique. Ce pack de Ah, y a pas à textures dire. est énorme. Ouais, j'ai pas de mots pour ce pack de textures. C'est un truc de fou. Donc après on enchaîne sur les minerais, voilà. Alors de loin on dirait pas que c'est ouf parce qu'on voit pas trop la 3D quand on se met comme ça. Mais quand on commence à voir un petit peu la réflexion du soleil par exemple sur la redstone, mais tu le vois le truc d'une brillance, c'est magnifique, c'est juste Ok, c'est quand on fou comme zoome, on texture. voit pas trop, mais bon. Mais je veux dire ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs on en aura bien galéré, enfin j'en aurais bien galéré là pour mettre les textures de minerais. J'ai dû importer d'un autre texture pack, vraiment c'était galère, galère, galère. En plus il fallait supprimer d'autres métadonnées et tout ça. Mais bon. Ça rend joli, c'est l'essentiel. Du coup, on enchaîne avec les autres blocs. Ici, nous avons du coup les blocs de pierre. Alors là, c'est des dalles. Hein, voilà, donc déjà là, regarde, là, tu vois la 3D, Ah, là, mec. Tu si peux quelqu'un pas voit dire. pas la 3D, c'est que. Ouais, il y a Sorry, vraiment un hein. problème. Là, la 3D, tu la vois vraiment. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, du coup, on a aussi les blocs de feuilles. Bon, ça, elle bouge, mais bon, les blocs de feuilles, C'est c'est. Il pas n'y a ce pas qu'il y a tous de les. plus C'est ouf. pas complètement fini. C'est en bêta Voilà, encore. c'est C'est en du bêta, coup. mais c'est Voilà. vraiment clean. Regardez, c'est juste magnifique. Même l'eau, c'est trop beau. C'est. D'ailleurs, je tiens à préciser, on a beau avoir des PC de malade, on tourne qu'à du 40 FPS environ. Moi, de mon côté, je suis à du 40 FPS, Voilà, ce moi qui n'est aussi pas environ, énorme, c'est. mais j'ai un gros PC gamer et pourtant j'ai beaucoup de mal à faire tourner ça. Ouais, non, Parce que. c'est clairement, c'est vraiment destiné aux plus gros PC. Hein. On veut pas Ouais. être la cause de vos crashs. Et aussi, on précise, parce que bah, il faut le préciser, hein, mais le ressource pack est payant. Hein, donc, Oui, on vous effectivement, mettra un voilà. lien en description sur nos deux vidéos. Mais c'est quelque chose de l'ordre de 25 € je crois, pour avoir en Mais 512 soit 512. ouais, bah franchement, si vous n'avez pas un PC gamer, je vous dis direct, Ne ne le prenez prenez pas, pas. quoi. Mais Parce que si des. vous avez un PC capable de le faire tourner, Ouais. foncez, clairement. Si vous voulez voir, bah regardez ma config, elle est dans mon à propos de ma chaîne. Et Ah, moi bah comme ça, pareil. vous pourrez vous faire une idée et moi j'arrive à le faire tourner. Et j'ai pas tous les ressources packs, puisque il y en a certains que j'arrive pas à faire tourner. On vous mettra une liste plus détaillée un petit peu de tout ce qu'il y a en termes de trucs un petit peu dans la description, mais vous verrez, c'est quand même assez lourd. Mais comme vous Effectivement. pouvez le voir quand ça tourne, c'est vraiment beau. Mec, j'avais pas remarqué, mais placement produit. Regarde ce qu'il y a écrit sur l'enceinte. Il n'y a rien écrit. Si. Et il y a écrit Minecraft. Je pensais qu'il y avait écrit autre chose. Putain de merde, on a fait un placement de produit pour Minecraft. Merde! 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 On enchaîne sur les blocs, comme vous pouvez le voir, ça c'est la pierre taillée, donc la pierre taillée normale et la pierre taillée donc avec de la mousse, c'est vraiment épique, genre. Vous Que voyez tu ça un vends, petit peu ça. dans les constructions, genre si vous voulez faire des trucs un peu anciens, genre avec la pierre taillée, genre avec la mousse et tout ça, c'est juste dingue, genre le potentiel qu'il y a avec ces genres de blocs, mais c'est dément. Je vais profiter aussi de ça pour vous parler de ce magnifique bloc, voilà, c'est le jukebox, voilà. Et voilà, c'est ultra bien comparé au Une putain jukebox de d'enceinte. base. Il y a les reflets et tout sur le haut, c'est magnifique. Ici, on continue du coup avec le cactus. Voilà, petit cactus en 3D, comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'en zoomant, là, on voit vraiment la 3D. C'est un Ah, truc le de fou. cactus, il est où? C'est un de mes blocs préférés, je pense, le cactus. Hein, Il est vraiment beau. Pareil au niveau du sable.
Regardez le sable, on voit vraiment. Surtout quand il y a les reflets du soleil. Hein. Ouais, je crois que c'est. Ou pareil avec les. Quand on voit, c'est le sable, mais aussi la neige, on voit un petit peu qu'il y a là. Qu'il y a des trucs qui. Ouais, quand il y a de la pluie aussi, on vous montrera tout à l'heure avec la pluie. On vous montrera vers la fin. Ouais, il y a des effets plutôt classe. Je vais vers la fin, comme ça on vous montrera tout ça. Pareil, ici ça brille parce que du coup il y a de l'eau à côté et tout, c'est trop beau. C'est magnifique. D'ailleurs, on n'a pas montré, mais ici il y a des blocs de verre. Ah oui, ouais, les blocs de verre, donc ils sont aussi en 3D, c'est très très léger. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Oui, mais il y a une 3D rapide. En toute petite. Mais c'est toujours sympa. Donc là, on se retrouve avec un bloc du Nether. Voilà, le Nether, le méchant Nether. C'est la Soul Sand, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est juste un truc de gros malade. Alors là, la Soul Sand, donc sable des âmes, prend vraiment son vrai sens, puisqu'on peut voir des crânes. Hein. C'est pas un bloc très sympa, mais ça représente vraiment le bloc, en fait. C'est des âmes qui sont enfouies dans du sable un petit peu obscur et tout cela. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. On voit de la 3D sur les crânes et tout. Imagine un peu une excursion au Nether, tu vois ça, c'est juste dingue, quoi. T'es en hallucination. Là ensuite on a les blocs, donc les lampes de redstone, hein. Ça fait un peu plus futuriste, mais elles sont vraiment dingues comparées aux lampes de redstone de base. Donc elles s'allument avec de la redstone, comme vous pouvez le voir, il y en a juste ici, voilà, si je casse, hop, et si je rallume, hop, voilà. Mais genre c'est vraiment des textures de gros tarés. Donc ici nous avons du coup les panneaux solaires, on peut clairement voir le petit reflet des familles, on voit carrément le nuage, là, on voit le nuage qu'il y a ici, c'est énorme, c'est juste un truc de fou. Ce pack est juste énorme. Il y a les reflets, il y a la 3D. C'est trop beau, franchement, c'est magnifique. Non, mais faire un survie même avec ça, ça doit être juste époustouflant. Genre, enfin, ça donne envie, tu vois, parce que de base, c'est un bloc qu'on n'utilise pas du tout, mais ça donne vraiment envie de faire des machines avec et tout. De plus les développer, c'est pas dans ce cas. Un truc qu'on peut montrer, c'est la neige, là, elle a changé un petit peu d'aspect vu que le soleil baisse. Regarde. Là, on peut le voir vraiment, on la voit dans toutes ses. Dans toute sa beauté, hein, c'est le cas de le dire. Là, elle est magnifique, c'est énorme. Alors là, du coup, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc une forme de quartz. Alors, c'est le quartz sculpté, voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Quand on zoome, c'est juste. C'est bluffant, quoi. C'est dans Minecraft, on n'aurait jamais pu penser voir ça. Je sais pas combien d'années d'évolution maintenant ça fait, hein, mais. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment dingue. On se retrouve avec le magma bloc. Voilà, ça c'est un de mes blocs préférés aussi. Hein. On peut voir vraiment toutes les fissures un peu de magma là. C'est juste exceptionnel ce bloc. Je sais pas, c'est un des blocs qui m'a fait acheter le pack quand j'avais vu justement un petit peu les images du pack. Et je regrette pas du tout. Hein. C'est juste ultra magnifique. Là, y a rien à dire. Donc du coup ici vous pouvez voir la terre, voilà, qui a été irriguée, voilà, c'est plutôt sympathique. Et en fait, bah, vu qu'il y a de l'eau à côté, vous pouvez voir qu'il y a carrément de l'eau sur les blocs de terre. Dans les petites tranchées là, et genre ça du coup ça vous permet de faire vos cultures dessus. Et genre c'est vraiment bien ça aussi pour le survival, tu fais ta petite culture, tu te réveilles, tu vois ça avec le soleil là qui se lève, comme ça t'as le reflet du soleil, je sais pas où il est. Voilà, mais genre t'as le reflet du soleil sur l'eau et tout, c'est juste bluffant quoi, y a pas d'autre mot. Et du coup là on se retrouve avec un bloc qu'on n'avait pas encore présenté, c'est l'herbe, voilà, vous la voyez tout au long de Minecraft, c'est un des blocs phares du jeu. Et comme vous pouvez le voir quand on zoome, c'est juste magnifique, c'est vraiment comme de l'herbe normale en fait, on se croirait dans la vraie vie presque. C'est juste ouf avec les petits reflets de soleil et tout, c'est magnifique. On peut voir du coup les rails, donc on peut vraiment voir comme ça la 3D on la voit pas, mais si on se met un petit peu au-dessus comme ça, là on voit la 3D. Tu vois bien déjà le grand roller coaster ou quoi, genre avec des énormes trajets en minecart, ça doit être ouf avec ça. Ouais, franchement là tu peux faire des beaux trucs là, franchement, avec ça. Ensuite, donc on se retrouve avec la laine, voilà, c'est le bloc que j'avais montré en premier à Mix, voilà, c'est ce qu'il a fait acheter d'ailleurs le texture pack. Et regardez-moi ça quand on zoome, mais c'est vraiment de la vraie laine ça, c'est juste dingue, regardez, c'est indescriptible tellement c'est beau le truc, genre on voit vraiment la texture de la laine. Ça c'est un des blocs les mieux réussis je pense de tout le texture pack. Donc ici nous pouvons voir le pilier de quartz, voilà, donc c'est plutôt sympa. Il y a pas trop de 3D je trouve, mais En fait la 3D se voit que quand on se met un petit peu sur le côté, qu'on commence à voir un petit peu le reflet du soleil qui arrive. Et là t'as tout gagné. T'as les reflets et tout, là regardez là ça brille. Puis là il y a le soleil du coup qui va se coucher, donc il faudra d'ailleurs faire un petit... Ici nous avons du coup les blocs de briques, voilà, tout simplement. Bon, la 3D est pas jolie je trouve, franchement quand on zoome, c'est pas... C'est un peu pixelisé pour celui-là. Ouais, faut pas zoomer avec Optifine, parce que oui, on a Optifine, parce que quand on zoome, franchement ça se voit, c'est pas joli. Mais si on zoome pas, c'est clair. Ouais, franchement on a l'impression que c'est vraiment en 3D quand on zoome pas, donc c'est plutôt sympathique. Et je trouve il est bien réussi, puisque c'est un bloc
pas, enfin il y a pas grand monde qui aime ce bloc. Moi j'aime pas trop ce bloc, je le trouve pas bah, très de base, joli. Sur le Minecraft Vanilla je l'aime pas trop, mais là dehors autant ça va, ça donne envie ouais. d'utiliser un peu plus déjà dans des toits par exemple ou quoi. Ouais, on peut vraiment faire des belles constructions je pense avec ces blocs là. Donc pour les builders je vous conseille ce pack du coup. Hein. Voilà. Si vous êtes un grand builder et tout, que vous avez un peu d'argent à investir, bah, investissez-le là-dedans, ça va vraiment rendre clean. Voilà. Ensuite ici on a le vert, donc voilà, bon, rien de trop spécial dans le vert, hein, c'est du vert normal, mais vous avez une belle réflexion du soleil et tout ça, donc c'est vraiment nice. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est un bloc peu connu, c'est la glace compacte, donc vraiment quand on zoome, on peut voir un petit peu vraiment tous les détails, toutes les fissures dans la glace et tout ça, c'est vraiment très très beau aussi, c'est bien réussi. Donc rien à dire sur ce bloc, si ce n'est que c'est très très bien réussi. Donc ici nous avons les briques de l'End. Voilà, là clairement on voit la 3D. Là ça se voit direct. Ah, voilà. La 3D on elle est juste zoomer, on la voit. Ouais, mais en zoomant on voit vraiment les que ça ressort, c'est magnifique. Et ça c'est... je pense il y a un grand potentiel pour les builders et les constructions un peu modernes et tout ça. Parce que là on peut vraiment faire des trucs, genre je verrais bien peut-être une mini chute d'eau en intérieur ou quoi, tu peux mettre ça. Ça rendrait vraiment clean hein, je pense. Ouais, ah, franchement, c'est... ceux qui ont un bon PC, hein, parce que ça, faut le rappeler, mais pour un bon PC et bah du coup, comme dit Léo, de l'argent à investir pour. Ah, c'est pas énorme, je veux dire, c'est 25 balles. Ouais, c'est. Ouais, il y a quand même beaucoup d'améliorations et ça vaut, je pense, vraiment le prix, et parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, je pense, derrière pour avoir fait ces blocs et ce genre de choses. Donc franchement, pour les builders, je vous conseille vraiment ce pack parce que du coup, vous serez vraiment ravis et vous aurez plus les vieux packs là, modernes qui sont pas ultra jolis. Et là, vous aurez les reflets du soleil, la 3D et plein de choses comme ça. Et franchement, je vous conseille. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable, justement. Par exemple, si tu vas sur, genre, je sais pas moi, le Freecube de Funcraft, par exemple, pour build, si ça se trouve, t'es un grand builder, tu vas passer des heures et des heures. Au bout d'un moment, ça va devenir chiant les textures pixelisées. Alors que là, genre, je pense que tu t'en lasses pas. Hein. Moi, ça fait déjà un peu de temps que j'utilise le pack. Et franchement, je suis toujours bluffé. Hein, je suis toujours ultra bluffé du truc. Ensuite on continue donc avec le minerai d'émeraude, voilà, bon, c'était un minerai que j'avais mis à part parce que je le trouvais assez sympa. Donc pour vraiment voir tout son potentiel, il faut un petit peu capter disons la réflexion du soleil, donc qui n'est pas forcément toujours facile à avoir, mais une fois qu'on la voit, voilà, par exemple là on peut bien la voir quand je tourne, et ben on voit tout de suite que c'est de la vraie 3D tout ça, et c'est ultra beau. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est le bloc de charbon exactement, et bah écoutez, s'il y a pas trop grand chose à dire, mais c'est bien réussi la 3D. Il a rien d'exceptionnel. C'est quand même plutôt sympa, donc voilà. Ensuite là du coup qu'est-ce que c'est? C'est la cobblestone, donc avec de la mousse, c'est un bloc très clean, donc la cobblestone normale bah, c'est la même chose mais sans la mousse, et genre c'est vraiment clean pour de la cobblestone. Il y a moyen de faire genre par exemple je sais pas, tu vois, tu voudrais faire un truc médiéval un peu, genre tu fais une place de ville genre autour d'une fontaine ou quoi, tu mets ces blocs là, mais ça rendrait un truc de ouf je pense, hein. Il y a un potentiel encore une fois de grand malade. Par contre on a la pierre lunaire ici, donc la pierre de l'End, qui est juste magnifique, on se croirait vraiment sur la lune ou quoi, et ça c'est un truc de gros dingue, c'est vraiment nice. Ah bah là pour si tu veux faire une map par exemple sur la lune, alors là laisse tomber, hein, c'est magnifique. Là, c'est... là ça passe crème, hein. Tu fais un truc sur la lune, les gens ils sont ébahis, genre tu fais un petit trailer dessus et tout, ça va être juste ouais, nickel là. Bon, du coup, je pense qu'on va finir. Il y a beaucoup d'autres blocs à vous présenter, ouais, mais on vous a présenté On vous laisse les découvrir aussi pour certains. Alors, sinon, peut-être un certain nombre de likes, on peut peut-être envisager une partie 2, je sais pas. Alors, du coup, ici, nous avons. C'est quoi la touche pour récupérer le bloc? C'est t'appuies sur la molette. Ah merci. Donc ici nous avons le casque en or. Donc, le roi hein. Mix. Donc en fait c'est du coup ça va être. En fait c'est le stuff, enfin c'est l'armure d'or, enfin c'est un l'armure d'or, voilà, tout simplement. La couronne est gavée classe. Hein. Ah, la couronne. C'est... Ouais, franchement je kiffe. Ensuite nous avons en diams, voilà, donc nous avons l'armure en diams, voilà, qui. Bon, franchement, c'est moi je l'aime bien. C'est basique, mais elle est sympa. Je veux dire, c'est toujours mieux que ce qu'il y a de base. Et fait... pour faire du en fait, PVP, ça peut être sympa. Ça fait chevalier, ça fait vraiment chevalier. Ouais, en c'est fait. Ça. Tu prends un cheval et tout, ça peut rentrer. Ouais. Ici, nous avons celle en maille, si je ne me trompe. Non, c'est en fer celle-là, je crois. C'est en fer? Ouais, c'est okay. En fer. Ça. Ah oui. Franchement, là, ça fait. Elle est vraiment. Ça fait cavalier, ouais. Ça fait ceux qui cavalent, du coup, bah, les chevaux, logique. Et regarde ma langue. C'est trop bizarre. Là, je tire la langue. Ouais, on dirait trop que tu tires la langue, genre. Salut. Et du coup, hop, je fais enlever le stuff et du coup, celle en cuir. Hein. Voilà, bon, c'est celle pour les paysans, hein, clairement.
Alors, mais elle est sympa, elle est quand même sympa. Ah ouais, elle fait un petit peu chasseur. Elle fait chasseur. Mais je veux dire, elle est sympa. Et du coup, en dernier, comme on vous avait dit, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand il pleut. Hein, parce que ça peut effectivement être intéressant aussi. Donc, on va mettre un petit peu de pluie, on va attendre un petit peu et on vous retrouve dès qu'il a plu. Et voilà, du coup, vous pouvez voir un petit peu l'effet quand il pleut, justement. On voit des flaques et tout ça, c'est vraiment bien. On peut voir les reflets des nuages et tout ça à travers ça. Et ça, c'est vraiment beau aussi hein, quand il pleut, une fois qu'il a fini de pleuvoir. Même la neige, elle est un petit peu plus trempée, ça se voit. Les blocs aussi. Donc, c'est vraiment encore un effet qui a été bien pensé. Ce pack, il est extrêmement bien pensé. Et c'est vraiment pour ça qu'on tenait aussi à vous le présenter, parce que c'est vraiment, selon nous, le meilleur pack de tout Minecraft entier. Et du coup voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à checker la description aussi pour avoir toutes les informations sur le pack et aussi la chaîne de Mix, voilà, qui a participé donc à la vidéo, et merci à lui. Et puis bah voilà, hein, du coup on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager d'ailleurs, cette vidéo, sur Twitter ou sur Facebook ou sur ce que vous voulez, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, c'était Léo, je vous souhaite donc de bien vous porter, je me répète, c'est très très chouette. Salut. L'autre quitte la partie, ok. Oh,